Loïc. Bonsoir. Alors Loïc, tu vois comment t'as senti ce match? On a très mal démarré le match, c'est vrai qu'on a encaissé beaucoup de points dès le premier quart-temps, plus d'une trentaine je crois. Défensivement, on n'a pas été dans le respect des consignes et on a traîné cet écart après pendant 40 minutes. Justement, à la fin du match, on a marqué 3e, 4e carton, il y avait quelque chose à faire justement. Après, voilà, si défensivement derrière, tu vois, t'aurais empêché les shoots à 3 points, etc. On aurait pu faire quelque chose, on est venu mourir à 12 points. Le but c'était de réduire l'écart un maximum, parce qu'il y aura un match retour forcément. Donc voilà, il valait mieux avoir un écart de 12 points si on ne sait jamais, si on se retrouvera avec eux et s'il y a un point d'avérage à jouer. C'est important de réduire un maximum l'écart et c'est ce qu'on a fait sur la fin du match. Mais c'est frustrant, d'autant plus qu'on a montré qu'on pouvait faire quelque chose quand même. Et est-ce que tu ne penses pas que justement vous avez pris ce match à la légère? Enfin, par rapport à leur début de saison, tu vois, 0-2, nous on était. Il y a peut-être de ça, on s'est peut-être vu trop beau, trop haut après la belle victoire qu'on a eue mardi contre Besançon. Ça nous a peut-être joué un tour, je ne sais pas. Mais après voilà, ça sera à nous de bien retravailler cette semaine pour accueillir Kaysersberg la semaine prochaine, pendant l'année prochaine. Et du coup, ouais, dans ta tête, comment vous attentes de ce match? On doit retourner sur le terrain comme des morts de faim. Vous sentez comment? On est bien physiquement, on a eu des grosses semaines avec les matchs les mardis. Mais voilà, maintenant on joue Kaysersberg, on sait que ça va être une équipe qui doit être à notre portée entre guillemets, qui va se retrouver avec nous à la fin du championnat. Donc on doit aborder ce match comme on l'a fait contre Besançon, c'est-à-dire avoir énormément d'intensité, énormément d'énergie et voilà, prendre la victoire chez nous. Toi, ton ressenti, ça va, tu te régales? Ouais, on a une bonne équipe, on a un bon groupe. Après c'est dommage, ça fait deux fois à l'extérieur qu'on encaisse énormément de points. On sait qu'on doit travailler là-dessus et voilà, c'est nous rendre la saison plus facile. Et à la maison. Les points les plus faciles, c'est à la maison. Ouais voilà, à la maison on sait que ça doit être une forteresse impénétrable. Et à l'extérieur, voilà, ce sera à nous, ça fait deux fois qu'on encaisse 82 points à l'extérieur, donc ce sera à nous de travailler là-dessus pour encaisser beaucoup moins de points. Merci beaucoup, Béry.